esclaves travaillaient nuit et jour. Ils ne se reposaient jamais et ne mangeaient pas à leur faim. Un jour, le mari mourut. Son mari étant mort, la femme s'enfuit de la maison. Tu ne fuis pas, tu marches. S'enfuit de la maison du roi. Elle sortit de la ville et décida de se réfugier dans un autre pays. Les objectifs, c'est de pouvoir amener des gens autour du livre, autour des auteurs, mais aussi permettre aux gens de pouvoir se mettre ensemble et de mettre ensemble autour du livre et de partager leurs désirs, leurs envies, mais aussi de créer l'engouement auprès du public de pouvoir lire et continuer le livre. Vous avez entendu? Ça, c'est le bruit d'un fleuve. Une grande joie, parce que là on vient de terminer une expérience de 2 heures, une aventure où chacun était concentré, avait un rôle magnifique à jouer, que ce soit les costumes, les bouquins, un rôle muet ou un rôle parlant, marcher ou rester à sa place et tout. On était très concentré, j'étais assez impressionnée. Moi j'ai organisé ça ici avec le service culturel de l'ambassade et le FIAF qui est partenaire du festival TIT. Et je ne savais pas exactement à quoi m'attendre, je faisais totalement confiance à Toto évidemment. Mais il y a toujours une surprise, on ne sait pas comment le public va réagir, qui va venir, s'ils vont complètement participer ou pas. Et on était tellement impressionnés par l'investissement du public qui a joué le jeu, qui a été concentré, qui a pris plaisir à faire ça. Et c'était formidable. Et qu'est-ce que vous avez? L'enfant fut très heureux et cria: c'est toi qui es ma mère. Thank you.